C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Donc ça va partir vite. Il allonge le jeu. Bien joué, il va pouvoir repartir. Bonne intervention. Grosicki. S'il le trouve, la Pologne qui cherche l'ouverture. Lewandowski, il a de l'espace. C'est Lewandowski qui centre. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Belle passe lobée sur l'aile. Il l'a vu. Allez, la tête! Ah, il faut aller plus vite sur ses contres. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin, il a dû se précipiter. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Toujours 0-0, un résultat qui satisfait plus à l'entraîneur que l'autre, forcément. Et il cède sous la pression. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Le ballon dans la profondeur. Krychowiak. La Pologne qui use et abuse même un peu des centres, si je peux me permettre. Après, ça dépend de la qualité des centres et de qui se trouve à la réception, Grégoire. Mais ça peut être une arme redoutable. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Glick. Krychowiak. Bien, la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Il a stoppé l'attaque adverse. Glick. Il allonge vers l'avant. On approche tranquillement de la mi-temps, mais le score est toujours de 0-0. Oui, et c'est une petite surprise. Ça prouve qu'avec suffisamment de... Non, il n'a pas joué le ballon là. Dégagé. Attention avec les tacles. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il progresse encore. Quelle inspiration! Et ce ballon vers la surface! Étinger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Premier corner dans cette rencontre. Oh la tête! Oh, pas de chance sur ce coup! C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Pas de but dans cette première période, mais ce match est de moins d'être terminé. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Allez, on est reparti. Pas de surprise pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Grosicki. Glick. Il s'échappe, côté droit. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Alexander Merkel. Pas mal ce tacle.
Il a trébuché sur cette intervention. Alexander Merkel. Dans la profondeur, bien. Faut tirer là! Aucun danger pour le gardien. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Grosicki. C'est joué dans l'espace. Le petit 1-2. C'est récupéré facilement. C'était chaud. Et c'est un corner. Le corner est joué court. C'est joué long, c'est dangereux. Il y va tout seul. L'interception au bon moment. Zielinski. La passe dans la profondeur. Allez, c'est dangereux! Hors jeu apparemment. La Pologne qui utilise les forces de son effectif. Blachikowski entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Et voici que la pluie fait son apparition. Voilà un marquage très agressif. Oui, il semble vouloir gêner la construction en l'obligeant à accélérer sa prise de décision. Et il y va de la tête. Il était pourtant bien placé pour reprendre ce centre, mais le gardien est là, bien présent. C'est vrai que c'était un beau centre, il était millimétré même. Et la reprise, oh là là. Il s'impose physiquement dans ce duel. Un corner à venir. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Et la tête! Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas! Et ben dis donc, c'était chaud! Faute, c'est indiscutable! Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Il peut tirer! Il était tout seul! Tout seul, à cette distance, il peut vraiment faire mieux. Blachikowski. Krikoviak. Lewandowski qui rejoue derrière. Il n'avait pas le choix. Le gros dégagement. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré.
Glick. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Zielinski. Faute. C'est bien fait, ça. Krikoviak. Dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Et il est sanctionné. Carton jaune. On est tout près de la fin du match et le suspense reste entier. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Krikoviak, c'est osé. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, coup franc dangereux à suivre. Et il prend donc un carton jaune. Ses coéquipiers viennent prendre de ses nouvelles. La Pologne qui compte maintenant deux joueurs avertis. Un bon coup franc cette fin de match. Frappe directe. Il faut y aller. Ça peut faire mal. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Toujours 0-0. On est dans les arrêts de jeu. C'est joué dans la profondeur. Lewandowski. Et il rate le cadre. On est dans le temps additionnel. Il était vraiment prêt pour ce temps. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. La Pologne qui a désormais trois joueurs avertis. Il a les derniers instants de cette rencontre. Il cherche à le servir. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Il semble satisfait de ce résultat, mais franchement, une victoire, c'était quand même mieux pour envisager plus sereinement la suite de la compétition. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me suis pas ennuyé. J'adore les débuts de compétition, même si aujourd'hui, ça s'est soldé par un match nul. Merci Darren Tulette d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. C'est toujours un plaisir partagé.